Yeah.
Qu'est-ce qu'ils parlaient entre eux dans un moment comme celui-ci?
J'ai essayé de voir comment dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, on nous parle de la mort du tiers et comment les chrétiens s'étaient comportés. Et c'est de ça que, à partir de ça, que nous allons continuer à développer. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 1 et 2, lisons dans le beau et précieux nom de Jésus. Saul avait approuvé le même Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient un grand bruit. Les hommes pieux, ils ont fait le deuil de terre. Il y avait eu beaucoup de bruit dans ces deuil. C'est-à-dire, ils ont pleuré avec cri. Ils ont versé beaucoup de larmes. Et ils ont fait beaucoup de chansons. Les bruits dont on parle ici, il ne s'agit pas seulement des bruits de pleurs, mais aussi des bruits de témoignages, des bruits de chansons de louange. Je voudrais parler de pleurs et de pleurer à grand bruit. Est-ce que lorsqu'un chrétien pleure, il n'est jamais bien défait ou il n'a pas d'espérance? Est-ce qu'on pleure parce qu'on a l'autre est perdu pour toujours? J'ai essayé de voir quand est-ce que les gens pleurent. Les gens pleurent lorsqu'ils ont des douleurs, les gens pleurent lorsqu'on les attaque, les gens pleurent lorsqu'ils souffrent. Les gens pleurent des fois quand ils ne supportent pas des choses qui leur font mal, ils s'expriment par le pleur. Je me suis rappelé de chaque rentrée scolaire, les parents, comment les parents pleurent. Lorsque pour la première fois, ils amènent l'enfant à l'école, et l'enfant qui ne veut pas rester à l'école, c'est la première fois que l'enfant va à l'école. L'enfant pleure et la maman aussi est en train de pleurer de l'autre côté. C'est juste une petite séparation de 8h30 à 15h. La maman pleure, l'enfant pleure aussi. Donc ce n'est pas simplement à la rentrée que les parents pleurent. J'ai vu aussi lors du voyage scolaire. L'enfant est content d'aller au voyage scolaire 5 jours, la maman qui l'amène, dès que l'enfant entre dans le bus. J'ai vu ça à l'école avec mon fils. Dès que l'enfant entre dans le bus, et les parents regardent les enfants et commencent à pleurer. Son enfant va le montrer pendant 3, 5 jours. C'est conseillable de ne pas être avec son enfant. Ça lui fait tout. C'est l'expression d'amour, l'expression de douleur qu'on exprime par les pleurs, qu'on exprime par des larmes. Maman Pascasie était une servante de Dieu. Moi, je ne l'ai pas rencontré plusieurs fois, et plus ou moins 3 ou 4 fois. Mais à chaque fois que j'ai eu, c'est très peu de temps que je l'ai rencontré, et j'ai eu des temps d'échanger avec elle, j'ai vu en elle une personne qui avait vraiment la foi au Seigneur. Et qui était réellement
amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth, qui aimait Dieu, et qui aimait l'œuvre de Dieu, et qui appréciait l'évangile de Jésus-Christ, et qui appréciait aussi son frère. Quelqu'un qui va nous rejoindre la semaine prochaine va appeler la soeur, qui va venir ici, pour cette circonstance. C'est cette personne qui m'a commencé à parler des bonnes œuvres de Maman Pasteur Assis et de Pasteur Alexis. Depuis longtemps, Pasteur Alexis, comment on vous connaît, avait connu Dieu, comment il les évangélisait, et comment Maman Pasteur Assis a fait et la famille, de réunir ma famille ici. Comment elle était fervente dans l'évangile de Jésus-Christ. Et ayant entendu parler de sa foi, de son espérance, je dirais que ma compris, selon la parole de Dieu, là où elle est partie. Et je sais aussi, je vais dire à l'apôtre Alexis, que vous allez devoir le jour de la résurrection. Ainsi, les chrétiens de l'église primitive, les chrétiens de l'église du début, voici ce qu'ils répétaient entre eux lorsque ils perdaient un membre dans le monde physique, mais qui allait au-delà, de l'autre côté du fleuve, auprès du Créateur. Nous allons, s'il vous plaît, lire dans les Corinthiens, chapitre 15, le verset, nous allons faire une longue lecture, le verset 12. Nous pourrons arriver même jusqu'au verset 24, s'il vous plaît. Il est écrit: or, si l'on prêche le Christ et ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent, si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ, tels que notre sœur, sont perdus. C'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Quelqu'un peut dire amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Vous prenez encore amen. Et comme tous meurent en Adam, écoutez bien, et même aussi, de même aussi, tous réunissons en Christ, nous disons encore amen. Mais chacun est à son rang. Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, ensuite viendra la fin, quand il révélera le royaume. Celui qui est Dieu le Père,
Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le verset 26 nous amène. Amen. Frères et sœurs, avant de vous éveiller la notre espérance, notre foi, c'est dans la résurrection de notre Seigneur. Christ est ressuscité entre nous. Christ est sorti du tombeau. Ce matin, avec Jésus, je disais, c'est par la foi que Jésus a accepté de mourir pour mon péché. Il a accepté d'aller à la tombe, c'est par la foi en Dieu qu'il a accepté de mourir et qu'on puisse l'enterrer. Et il a préparé un groupe d'intercesseurs pour venir intercéder après Satan pour qu'il ressuscite. Il avait seulement la foi à la parole de Dieu. Parce qu'il savait qu'il allait mourir ce qui est écrit, selon les Écritures. Et après 3 jours, Dieu lui donnera la vie. Il sortira du tombeau. Il avait la foi dans cette parole. Il avait la foi en Dieu et ce qui est écrit pour lui, ce qui lui a été promis, c'est ce qui va se passer. Il avait cette foi-là et exactement, c'est ce qui est arrivé. Jésus-Christ est mort, on l'a enterré, ses disciples se sont dispersés, on a mis les soldats pour garder les attendre. Parce qu'on craignait qu'on vienne voler son corps, puis s'en aller à terre. Mais il n'avait pas besoin de signaler, de préparer des gens qui, quand je vais mourir, vous allez venir après, vous allez me faire sortir. Il avait foi en Dieu, que Dieu s'occuperait de cela. Et les Romains et les chefs juifs ont pris vraiment soin du fait que cette résurrection dont Jésus-Christ était en train de parler, et tout le monde attendait que cela ne puisse pas arriver. Ils ont mis la pierre, ils ont mis la table. Mais ça, ce n'est rien. Rien ne peut empêcher Dieu, à Dieu de faire ce qu'il a promis. 3 jours après, ça n'a pas pris beaucoup du temps. 3 jours après, très tôt même le matin, Christ ressuscite d'entre les morts. Les anges descendent, ils lui roulent la pierre, ils sortent avec un nouveau corps, le corps de gloire. Comme Jésus-Christ a cru à sa résurrection avant même sa mort, nous aussi, nous croyons à la même résurrection. Notre sœur aussi croit à la même résurrection. Pour cela, nous sommes en train de pleurer. Nous pleurons cette séparation. Je vous ai dit que les mamans pleurent pour une séparation de quelques heures. Nous allons pleurer parce que nous ne connaissons pas combien de temps encore. Nous avons pleuré pour une séparation de plusieurs années. N'est-ce pas? Des 30 ans, 40 ans, pour ceux qui sont jeunes, pour ceux qui sont à votre âge, peut-être des 15 ans, des 20 ans. Parce que dès que nous allons quitter ce corps, nous allons directement les rencontrer. Directement, nous allons les rencontrer, bien que le ciel soit loin. Moi, je crois que le ciel, lorsque nous allons y rentrer, nous allons rencontrer pas seulement tout le monde, mais nous allons rencontrer les bien-aimés que nous connaissons. Nous allons rencontrer ceux qui nous ont été proches, ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, ceux que nous avons annoncé la parole de Dieu, tous ceux qui sont morts dans l'espérance, nous allons les rencontrer là-bas. Ainsi, chère famille, ainsi,
J'ai apporté Alexis et toute la famille assemblée de racheter. Ayons cette espérance-là. Ayons cette foi. Ayons cette confiance en la parole du Seigneur Jésus-Christ que nous allons rencontrer notre sœur. Vous savez, Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, avaient cette conviction-là. Parce que cela est écrit dans la Torah. Jésus-Christ n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité, il n'y avait encore aucune preuve de la résurrection de quelqu'un qui est mort et qui est parti au ciel. Il n'y avait aucune preuve par rapport à cela. Mais Marie et Marthe ont dit à Jésus, nous savons que notre frère, au dernier jour, il ressuscitera. Et nous ne sommes pas comme elle, comme Marie ou Marthe. Nous, nous avons la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort, ressuscité par Dieu, et il est allé au ciel. Nous ne pouvons parler avec plus d'évidence et plus d'assurance que nous allons revoir notre sœur par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cela est une certitude. Cette foi et cette confiance dans le Seigneur, nous l'avons parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons parce que nous avons fait un engagement avec Jésus. Nous avons fait une alliance avec lui. Et si nous croyons, nous ne verrons pas la mort. C'est une parole qu'il avait dit une fois. Dans le temps, il parle aux Juifs qui étaient là, qui comme croit en moi, il ne verra pas la mort. Nous ne verrons pas. Comment est-ce qu'on dit que si on croit en toi, on ne verra pas la mort. Qui prétends-tu être notre père Abraham? Il est mort. Les prophètes disent, comment est-ce qu'on croit? Même votre père Abraham, le jour où il a connu mon jour, il était dans la journée. Comment tu n'as même pas encore 40 ans? Comment est-ce que tu as vu Abraham? Avant que Abraham soit Jésus, là il s'est présenté, Jésus. Et il a utilisé le même terme, le même mot, le même indicatif que Dieu lui-même avait dit à Moïse. Lorsque Moïse lui a demandé qu'est-ce que je dirais au peuple, et qui m'envoie, dites-lui que je suis ton voix. Alors, le même mot-là, Anim, c'est ça en hébreu, Anim, donc Jésus, Jésus c'est lui qui tu suis. Il dit, avant que Abraham fût Jésus, et nous, nous avons créé. Jésus là, à celui qui est présent, qui était, qui est, qui revient, il est présent. Nous avons cette assurance de la résurrection par lui de Jésus qui est au-dedans de nous. Il a parlé de la mort, ce n'est pas la séparation de l'âme avec ses corps, mais il parle plutôt de la séparation de notre vie, de notre personne avec le Créateur. Parce que la vraie mort, c'est se perdre dans le monde. C'est se perdre. Et cette perte-là ne commence pas lorsque le corps se sépare avec l'âme. Cette perte-là commence maintenant dans cette vie. Pendant que nous sommes encore en train de respirer, tant que nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas la vie éternelle de l'homme. Nous sommes perdus. Il est important que nous puissions le savoir. Il est important que nous puissions prendre des dispositions. Dispositions pour que nous ne puissions pas nous perdre, ni pendant que nous sommes présents, vivant pardon dans la chair, et même lorsque le corps va se séparer à notre âme. En clôturant, je voudrais donner le témoignage de
un religieux. Un religieux qui était d'une religion qui croit au salut à des bonnes œuvres. Je ne voudrais pas citer le nom de sa religion. Je ne pas offenser. Nous sommes dans cette religion-là. Je ne veux pas offusquer qui que ce soit. Mais il croit au salut par de bonnes œuvres, par la pratique de bonnes actions, aider les pauvres, aider les malheureux, assister les orphelins, de faire du bien. Il croit en cela, puisqu'il fait du bien, puisqu'il fait des bonnes œuvres. C'est comme ça que tu parviens à comptabiliser assez d'argent spirituel pour t'acheter finalement un ticket de ton âme pour aller au ciel. Et il a pris vraiment le soin de pratiquer sa religion, de poser des bonnes œuvres. Et voici qu'un jour, la nuit, il dormait et il s'est retrouvé qu'il était mort. Et comme il était mort, il était devant le trône de jugement. Et il a vu devant lui celui qui juge, qui a mis la balance devant lui. Il lui a dit, voilà, on va aujourd'hui te juger par rapport à ta vie sur terre. Il était content parce qu'il avait fait beaucoup de bonnes œuvres. Mais du côté droit de la balance, c'était là où il y avait de mauvaises œuvres. Et c'était tout un tas noir. Et des péchés, ses fautes étaient là. Il regardait. Il a dit, mais ça, ce n'est pas grave parce que je fais aussi beaucoup de bonnes œuvres. Il a commencé à rappeler, voilà, j'avais fait ça. Voilà pourquoi ça m'a emmené à la balance. J'avais fait ça ici, on met à la balance. Mais à la fin des comptes, on a vu que ces bonnes œuvres étaient absorbées par ces fautes. Et ces fautes n'étaient pas des grands péchés. Ce n'étaient pas des grands péchés. Et même c'était quand même des péchés quand on les a comptabilisés chaque jour, vous savez, hein, un petit mensonge. Une petite colère, une petite dispute, ceci, cela, et tant d'autres, et chaque jour. Et pourtant, ces bonnes œuvres, c'était souvent les week-ends. C'était le week-end où il faisait souvent de bonnes œuvres. Mais chaque jour, il avait quand même un petit truc, le matin jusqu'au soir, un petit truc, une petite colère, un petit mensonge. Et quand on a comptabilisé, c'était quand même abondant et nombreux. Et ces bonnes œuvres n'ont pas pu faire descendre la balance. Il a dit voilà. Il n'y a rien qui peut te sauver ici. Et il s'est écrié, qui va me sauver? Qui va me délivrer de mes péchés? En criant de la sorte. Mes frères et sœurs, il y a une seule chose qui venait du ciel, du sang de Jésus, qui était cette goutte d'eau qui est descendue là, du sang de Jésus, a fait disparaître toutes ces mauvaises œuvres et la balance s'est penchée du côté gauche de ces bonnes œuvres. Il s'est écrié. C'est quoi? Ça, c'est le sang de Jésus. Il s'est réveillé. Cet homme qui était d'une religion qui ne croit pas, Seigneur Jésus, le matin quand il s'est réveillé, il est allé lui-même vite chercher les évangélistes pour qu'on prie pour lui, qu'on lui donne la vie. Il a appris c'est quoi la puissance du sang de Jésus. En ce moment, mes frères et sœurs, vous qui êtes lavés par ce sang de Jésus, ayez cette assurance-là et continuez à marcher dans la confiance. Mais ceux qui n'ont pas encore fait l'acte d'engagement de recevoir Jésus-Christ dans leur vie, il est important vraiment de pouvoir le faire. Parce que vos bonnes œuvres, vos bonnes actions, elles sont bonnes pour aider les gens, mais sont insuffisantes pour supprimer vos péchés.
Vous ne pouvez pas supprimer vos péchés par vos bonnes actions. Vous ne pouvez pas annuler vos péchés par vos bonnes actions. Il n'y a aucun sacrifice vous-même qui peut vous aider à éliminer vos péchés. Ce n'est que la foi en Jésus-Christ et le sang. En ce jour, notre sœur, parce qu'ainsi, nous pouvons le dire, le sang de Jésus-Christ a purifié sa vie. Elle est dans le repos. Elle se repose en attendant. Alléluia. Le son de la trompette où son corps portera le corps de gloire. Où ceux qui seront vivants porteront le corps de gloire. Les morts en Christ se ressusciteront. Et les vivants porteront le corps de gloire. Et nous allons aller auprès du Seigneur. Que ces paroles nous fortifient. Que ces paroles nous donnent la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la famille qui est touchée, cette parole nous donne la foi que nous allons rencontrer, pas seulement le Seigneur, mais notre sœur bien-aimée que nous connaissons. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que nous prions. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous lever, si vous le pouvez, et si vous le voulez aussi, pour que nous puissions, en ce moment, s'il vous plaît, prier ensemble. Pour aider ceux qui n'ont pas encore fait cet acte d'engagement, je voudrais que toute l'Église, n'est-ce pas, nous puissions faire cette prière comme ceux qui ont vraiment besoin de ce salut, même si vous l'avez déjà. Mais tous ensemble, nous puissions le faire pour accompagner ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et que, en le faisant, par la foi, vous croyez réellement, tout s'est fait par la foi. Que le Seigneur a écouté. Et que le sang de Jésus-Christ pourra agir dans votre vie. Vous permettez que nous prions ensemble à l'unisson. Vous pouvez répéter juste après moi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je viens me soumettre à ta volonté, à ta parole, en ouvrant mon cœur, pour que Jésus-Christ entre dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je profite de cet instant pour te demander pardon de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Pardonne-moi et laisse que le sang de Jésus me lave, purifie mon âme, mon esprit et mon corps, au nom de Jésus. Enlève mon nom du livre de la mort et inscris-le dans le livre des vies, dans le livre de l'agneau. Merci Seigneur de me remplir de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Merci pour le pardon, merci pour la nouvelle vie, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si c'est la première fois que vous faites une prière, sachez que cette prière est un engagement de votre... Amen. Amen. Ce qui signifie que Jésus nous donne l'opportunité de dire ce que nous avons fait. Amen. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous connaissons sur une personne, nous pouvons le dire. Amen. Nous pouvons le témoigner. Comme on est en train de témoigner, le frère de notre sœur qui n'est plus avec nous, il va nous dire sa biographie, parce qu'il a grandi avec elle. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui la connaissait bien, plus que nous. Bienvenue. Alléluia. Nous pouvons dire un grand amen. Alléluia. Parce que Jésus est vivant. Amen. Moi, je vous dirai une chose. Pascasie n'est pas morte. Elle dort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Amen.
Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle néerlandais? Je sais que Vicky, c'est difficile pour toi, mais tu es la seule qui parle très bien néerlandais. C'est possible d'interpréter, parce que je sais que je vais parler ici. C'est la vie d'un moment difficile. Mais tu peux essayer. Ça va aller d'interpréter. Est-ce que... Je sais que tu es très forte. Amen. Elle est forte comme sa maman. Ce que je veux dire, je voudrais que tout le monde puisse comprendre, c'est la vie vraiment de Pascasi. Et je voudrais que son mari puisse comprendre, ses enfants. Ça va aller? Et quand tu... Tout que c'est difficile, j'arrête. Tu souffles, mais on va aller. Ça va aller? Amen. Ik ga mijn best doen om het te vertalen. Op het moment zal het moeilijk zijn. En dan zal ik een adem pakken. En dan zal ik... Koe is een rijkdom. En dus daarvan ook de achternaam, omdat dat het draagt dat mijn mama een rijkdom is. En meer dan eender welke rijkdom. Quand elle s'est convertie? Wanneer dat zij Jezus als haar God heeft genomen. Dus, elle aimait beaucoup son nom. Dan hield ze ook heel erg van haar naam. Mais le bishop a dit qu'elle était amoureuse de Jésus. Maar de persoon die haar tot Jezus Christus heeft gebracht. C'est elle-même qui le disait. Elle disait qu'elle était amoureuse. Ah, okay. Pardon. Dus wat dat hij toen heeft gezegd is, de persoon die Jezus Christus heeft gebracht, heeft gezegd van, jij bent zelf verliefd op God. Et souvent, elle disait, je m'appelle Nakiru Timan. En daarom heeft zij ze vaak, in plaats van Takiru Tinka, een Takiru Timana. Et elle est née le 12 août 1958. En ons mama is geboren in, op 12 augustus 1956. À Butare, au Rwanda. In Butare, in Rwanda. Et ceux qui connaissent un peu Butare, c'est la mission de Mugombra. De Mugombra. C'est à Butare, ok, c'est bon. En 1961, au Rwanda, il y a eu des problèmes. La famille a été a exilé au Burundi. Dan zijn ze eigenlijk van Rwanda naar Burundi moeten gaan, door wat er gaande was in 61. Elle est partie très très jeune. Dat was op een hele jonge leeftijd. Elle était encore un enfant. Ze was nog een kind. Et elle a encore eu un autre sinon, ceux qui l'ont connu au Burundi, à l'étant très très... Degenen die haar gekend hebben op een hele jonge leeftijd nog in Burundi, kenden haar ook als... Il y en a ceux qui l'ont connu sur un surnom Mapengo. En die een tweede naam was Mapengo. Pourquoi? Parce que là, il y a des petits, les dents sont venues en retard. Omdat mijn mama haar tandjes later zijn gekomen. Et ça, c'est vraiment le surnom quand elle était bébé. En dat was dan een bijnaam die ze eigenlijk had toen ze heel klein was. Mais il y en a ceux qui l'ont connu, même jusqu'aujourd'hui, il y en a ceux qui l'ont connu comme Petit Poussé. Maar ze had nog een naam en dat was Petit Poussé. Ce surnom, c'est la cause du théâtre qu'elle a joué au lycée, et quand elle était encore au lycée. Ça, c'était le nom qu'on lui a donné parce que... dat was de naam dat ze haar gegeven hebben, sorry. Toen dat ze eigenlijk in het middelbaar was, omdat ze in dat toneelstuk heeft gespeeld. En dat noemde Petit Poussé. Elle avait joué ce théâtre. En dat was de rol dat ze ook gespeeld had. En 1963... In 1963, la famille s'est réfugiée. De famille heeft. Parce qu'on avait pris tous les Rwandais qui venaient du Rwanda, on les a amenés dans un camp de refuge. De hele familie is gaan schuilen in 1963. À Kigamba. In Kigama. Kigamba. Kigamba. Ok, ils ont compris. Kigamba, c'est dans la région de Kayongozi.
Kikamba, dat ligt in de streek van Kayongozi. Kayongozi. Wat dat hij zegt. On a repris tous les Rwandais, on les a amenés là-bas. Alle Rwandezen hadden ze eigenlijk meegenomen en ze hadden ze daar eigenlijk gebracht voor veiligheid. Vous comprenez que là, je n'étais pas encore né. Dan was mijn onkel eigenlijk ook nog niet geboren. En 64. In 64. La famille est revenue à Bujumbura. Is de familie teruggekomen naar Bujumbura. Toute la famille. De hele familie. Alors, elle a étudié à l'école primaire à Ngagara. Ngagara. Dan is ze naar de lagere school gegaan. Ngagara. Bon, ok. Et puis, ses études secondaires, elle a fait cela. En dan in het middelbare. Au lycée de Bujumbura. In, op middelbare school van Bujumbura. Ceux qui connaissent au Burundi, c'est lycée, je crois, Saint-Esprit. En dat is de Hogeschool Saint-Esprit. Dat is de naam. Et puis, en 1974. In 1974. Pascasie est venue, je crois qu'elle était encore adolescente. Dan was ze nog in haar jeugdtijd. Grâce à sa sœur Rose Boubange. Door haar zus Rose Boubange. Et elle est arrivée à Bruxelles. En dan is ze naar Brussel gekomen. Elle a fait ses écoles secondaires supérieures. Zij heeft haar middelbare gedaan. Of universiteit, Tunis. Non, secondaire supérieur. À l'Athénée des Forêts. En het school heette l'Athénée des Forêts. Ses études, oui, secondaire. À l'Athénée des Forêts. En 1976. In 76. Elle a fait ses études d'infirmière à Brugman. Dan heeft ze haar studies gedaan van verpleegkunde at Brugman. Et puis, elle a continué à l'école Saint-Ignace à Ixelles. En dan heeft ze haar studies verder gedaan at Saint-Ignace à Ixelles. Oui. Ignace à Ixelles. En 1978. In 78. Vous allez comprendre que c'était une vraie battante. Zo zal je zien wat voor een vechter dat ons mama was. Elle va faire un accident très grave. In 78. In 78 heeft zij een heel erg zwaar accident gehad. Je pense qu'elle restera même très longtemps dans le coma. Zij is een hele tijd ook in een coma gebleven. Mais grâce à Dieu l'a ramené. Maar door God is ze wel terug kunnen komen. Et elle va de 1978 jusqu'à 1980. Dan heeft ze haar man leren kennen, Etienne. Verspreid, ja. Elle va rencontrer Etienne. Dan heeft ze hem leren kennen. Et Vicky sera, elle était toute petite. En dan was ik nog heel klein. Et ils ont continué à élever et à vivre. Ils vont se marier officiellement. Dan zijn ze ook getrouwd. Et elle va aller habiter en Flandre. Dan zijn we ook in Sint-Niklaas in Vlaanderen gaan wonen. Elle va apprendre le néerlandais parfaitement et travailler là-bas. En dan heeft zij ook Nederlands geleerd en dan heeft ze ook in Sint-Niklaas en in Bever gewerkt als verpleegster. Elle va travailler jusqu'à ce que normalement cette année, Pascasie, c'était sa première année qu'elle était pensionnée. Dit jaar is ook het eerste jaar dat ons mama gepensioneerd is. Et le Seigneur, il lui a plu de l'appeler auprès de lui. Alors, nous remercions comme famille, nous remercions en tout cas Étienne qui a fait ce cheminement ensemble, qui ont élevé cette grande, qui maintenant ce n'est même pas une fille, c'est une grande dame. Parce que Dieu lui a accordé de voir son mariage l'année passée. We danken ook Étienne en ook eigenlijk de hele familie voor de voorbije jaren. En ook voor mij groot te brengen, meegenomen. Venez, tout c'est partout on a déménagé. Overal waar dat ze verhuisd zijn. Etienne, overal waar dat ze verhuisd zijn, ook met de kerk. Qui achetait avec son propre argent, on n'avait pas les moyens. Elle s'investit totalement à Dieu. Ons mama kocht ook de eerste video's voor de opnames te doen. En ons PP deed ook alles om te helpen dat alles ook in orde was, dat nodig was er rond. Partout où on a été. Overal waar dat ze gegaan zijn, overal waar dat ze verhuisd zijn. Elle embarquait Étienne. Dan nam ze hem ook mee. L'église où on a été pendant plus de 10 ans, que ce soit le podium, que ce soit tout, Étienne venait pendant ce temps-là. In die tijd zouden ze ook echt stoppen om te bidden.
dat is ook tijd. En toch, op het einde van de dag, dan ook, zal ze gewoon doorbetalen, ook voor die momenten dat er nodig waren, want zij vond die ook zo belangrijk, dat er gebeden werd. Elle va mener un pasteur pour venir prêcher. Ze zal dan zelfs ook een pasteur laten overkomen. Parce qu'elle dit, je vais vous nourrir pendant votre pause, mais vous me donnez vos oreilles, vous devez écouter Jésus. Iedereen krijgt zijn pauze, je mag eten, maar je gaat je oren aanbieden om dan wel het woord van God te horen. Alors, dernièrement, elle était en train de passer quelque part. En overlaatst was ze ergens voorbij aan het gaan. Elle voit une dame qui l'arrête pour la mettre dans sa voiture. En qui demande un lift? Ze ziet iemand die nood heeft om ergens te geraken die een lift vraagt. Elle m'a raconté ça récemment. Onlangs heeft zij dat verteld aan mijn oncle. Elle prend la dame, elle la met pour la déposer, elle ne savait même pas où est-ce qu'elle allait. Ze heeft die mevrouw dan meegenomen en ze heeft die afgezet waar dan ook dat het nodig was. Et donc, lui parler du Seigneur dans sa voiture. En in de auto gaat ze uiteraard beginnen praten over. Et cette dame lui dit, mais... Et puis, dit... En die vrouw zegt. Elle dit, mais en fait, je ne eigenlijk... s'est même pas présenté. We hebben elkaar zelfs niet voorgesteld. Et puis la dame lui dit. En de vrouw zegt. Mais mamie, tu ne m'as pas reconnu. Maar je hebt mij niet geantwoord. Mais je suis ta servante. Je suis en train de travailler pour toi. Je suis en train de travailler pour toi. Ik werk voor u. Et c'est toi qui m'as prêché l'évangile. En jij bent degene die mij ook. Et j'ai reçu déjà le Seigneur qui est en train de me parler. En ik heb God ook al geaccepteerd als my Lord and Savior. Elle était dans la joie. En zij was zo vol. Ons man was dan ook zo. Elle n'avait même pas une minute pour elle. Tout le temps c'était Jésus. C'était le Seigneur. Ze dacht heel vaak ook niet aan haarzelf. En ze dacht ook altijd aan God. Sa vie a été dévouée pour le Seigneur. En zij heeft haar leven er ook volledig en voluit voor gegeven. Quand elle était même ici. Zelfs al toen dat ze hier was, op de intensieve zorgen, au moment où elle pouvait encore avoir l'oxygène, toen dat ze nog zuurstof kreeg, toen dat ze nog kopper was, elle, dan bidden wij nog met haar, jusqu'à à la fin. Tot op het einde. Et Dieu lui a donné encore un... Vous savez que pendant ce temps, c'est difficile d'aller dans les soins intensifs. Je weet dat nu in deze tijden van COVID is het heel moeilijk om de intensieve zorgen te gaan. Mais le dernier jour, maar de laatste dag, on nous a permis d'aller la voir. Zijn we haar toch kunnen gaan zien. Et on nous a permis d'être avec elle. En dan konden we toch wel nog met haar zijn. Amen. Quand je suis arrivé, j'ai prié avec elle. Toen dat ik ben aangekomen en ik ben met haar naar de kamer gegaan, heb ik ook met haar gebeden. Elle m'entendait. En hij is ervan overtuigd. Je weet qu'elle faisait même l'effort pour parler. Ze gaat hier echt het best doen van aan het midden praten. Et je peux vous dire une chose. En ik kan u één ding zeggen. Quand on a terminé, toen we klaar waren. Inner, parce que j'ai vu des larmes descendre. J'ai compris qu'elle comprenait. Ik zag de tranen naar beneden. Ze het hoorde. Et je lui disais, tu es une battante continue. En hij zei, je bent een vechter. Mais tu es dans les bonnes mains. Maar je bent in de juiste handen. Quand j'ai quitté, toen dat ik ben vertrokken. Inner après, één uur later. Le père l'a pris. Is ze in slaap gevallen. Pour vous dire comment Dieu est bon envers ceux qui croient en lui. Gewoon om te tonen hoe goed dat God is in degene dat voor degenen in wie dat geloven in hem. C'était une personne spéciale. Zij was heel speciaal. C'était une quelqu'un qui aimait servir Dieu avec tout son cœur. Amen. Est-ce que vraiment j'aimerais vous demander de vous lever et d'acclamer Dieu. Donnons gloire à Dieu pour cette personne. Vraiment, donnons gloire à Dieu pour cette personne. Une minute à sa mémoire. Alléluia. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Oui, vous venez d'acclamer. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas prévue. Mais moi, j'improvise. Non, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui improvise. Quand vous acclamez une telle personne, il faut la donner vraiment donc le respect. Le respect. Amen. Cette personne, elle n'est pas encore été enterrée. Et ça chimé. Vous avez passé quasi la gobelée de l'Union Européenne. Ariko,
ndagerageza ingombwa ko tuvuga pasikazi uko birakwiye pasikazi ndamuvuga mu bice bitatu ndavuga uko muzi uko yakundaga imana uko twabanye mu bihe by'amashengesho no muri eglise nongere muvuge ko yabanaga n'abantu nuko nanjye yambaniye elle est là pour tout le monde comme elle a été pour moi nongere muvuge ubutwari j'ai encore parlé d'elle mumenya quand je l'ai connue la première fois on s'est rencontrés ici à l'église. J'ai vu que c'était une servante de Dieu qui nous parlait de Dieu et que ça nous touchait. Elle avait la force de Dieu. Et cela m'a montré qu'elle était, qu'elle aimait beaucoup travailler pour Dieu. Et qu'elle voulait aussi nous transmettre cette passion pour le Christ. Ce que je vais dire encore sur elle, c'est comment elle vivait avec les gens. Et elle a été là pour moi. J'ai eu un mariage en 2000. Je ne pouvais pas aller à ce mariage, les gens de l'église le savaient. Pour raison personnelle, je ne pouvais pas aller au mariage. Pascasie était au Rwanda, elle commençait son bail. J'ai eu son appel. Elle m'a dit, Maman Natacha, je veux aller au mariage de ton enfant. Je serai là à ta place. Je ne te remplacerai pas, mais je serai là pour toi. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a étonnée. Elle a été au mariage. Et à chaque fois, elle prenait des photos, elle m'envoyait. Et cela m'a montré son amour. Parfois, on se dit, les gens ne me connaissent pas, cette famille ne me connaît pas. Mais elle, elle a été, et comme elle connaissait mon aîné, c'est là que je vais vous montrer son amour pour les autres. Après, j'ai perdu mon neveu. Pascasi a quitté son domicile l'après-midi. Elle est venue chez moi. Pascasi n'a pas envoyé. Elle ne m'a pas ramené les boissons ou les choses à manger. Elle m'a ramené un tableau où c'était écrit des versets bibliques que vous connaissez tous. Le psaume 23. Jusqu'à maintenant, j'ai encore ce tableau. Quand elle est venue, elle a trouvé mon fils qui habitait au Canada, qui était chez moi. On a prié avec lui. Quand Pascasie a quitté le domicile, mon fils l'aimait beaucoup. Même quand Pascasie était malade, j'ai appelé mon fils, j'ai dit, la maman de l'autre fois, elle est malade. On a pris le temps de prier. Parce que dans toute la famille, elle avait laissé son empreinte. Et tout le monde l'aimait dans ma famille. Donc, vous comprenez que Pascasie me laisse.
Que Dieu lui accorde le repos. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'elle était courageuse. Quand elle était malade, le 31 décembre, elle était aux soins intensifs. Mais elle m'a envoyé un message. Elle m'a envoyé un message qui disait meilleur vœu. Malgré son état, elle a pris le temps de m'écrire. À quel point elle était vaillante. Dans les moments comme ça, normalement, tout le monde est replié sur soi. Mais elle, elle m'a souhaité un meilleur vœu. Je ne peux pas parler d'elle et finir. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a, elle a combattu le bon combat de la foi et qu'elle a maintenant la couronne de gloire. Nous allons la rencontrer quand le moment sera venu. Que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu, et si on dit, si on nous donne même les livres pour écrire ce qu'elle a fait, vraiment c'est, on n'aura pas aussi assez de livres pour écrire ça. Il y a d'autres, il y a un autre qui veut témoigner, qui a un témoignage, c'est Vicky. Ok, j'aimerais aussi inviter sa grande sœur, Rose. Je sais, c'est difficile, mais... Ah oui. Excusez-moi tout le monde, c'est très difficile. C'est vrai que je suis l'aîné de la famille, et le pasteur est le dernier. On était neuf enfants. Il y a deux qui étaient déjà partis, Anaclette et Béatrice, 92 et 91. Maintenant, il y a la troisième qui s'en va, c'est Pascasie. La bibliographie qui a été lue ici, c'est moi qui l'ai écrit. Parce que l'église, tout au début, dans les années 90, tout au début, quand ma mère vivait, elle a mis aussi une pierre, une brique sur l'église. Je l'ai vu grandir. Et quand elle est venue comme servante ici pour épauler son frère, je l'ai félicitée. Et elle l'a fait comme il faut. Et ce qu'on vient de vous dire, comme elle ne parlait que de Jésus, les 8 mois qu'on a été bloqués sans avion au Rwanda, on vivait à 3 avec mon autre, celle qui vient après moi, Rosalie et elle. Mais c'était que Jésus, le matin, elle s'est levée à 3h du matin pour prier, les chansons. Elle chantait tout le temps. Quand on avait des visites, c'était tout le temps vouloir parler de Jésus, de Dieu. Et on respectait ça et on priait avec elle, évidemment, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais nous aussi, on sait que
On aime Dieu et on sait qu'il existe. Si on est là, c'est à cause de lui. Je vous remercie d'être venu nous soutenir. C'est très, très difficile, mais je vous remercie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Il y a une autre personne qui a demandé qu'on lui donne. Elle a un témoignage. C'est Aimable. Aimable. Puisque Vicky vient d'arriver, alors qu'on avait annoncé qu'elle vient de témoigner, on la laisse témoigner. C'est au nom de la famille Étienne, qui était son épouse, et Vicky aussi, c'était sa maman. Elle a un témoignage, un grand témoignage. Vicky. Je suis désolée, il y avait une petite pause pipi. D'abord, je vais parler. Au nom de son mari, pour commencer. S'il y a quelque chose que je sais, c'est que il est quelqu'un de pas beaucoup de mots, mais quand il fait quelque chose, comme bon, votre pasteur, mon tonton, a dit. Il le fait à cœur entier. Et une partie qu'il disait, une partie qu'il a dit et une partie qu'il veut qu'on partage avec vous, c'est que la meilleure chose, la meilleure partie de sa vie est partie, est endormie. Ses prières et ses chants vont m'en manquer le plus. Et si une chose qui est vraie et qui est correcte, si maman ne chantait pas, si maman ne priait pas, il y avait quelque chose qui n'était pas bien. La deuxième partie, ça vient en fait, nous, on dit toujours, the Verspreches and the Rombard. C'est la famille. Donc, on parle de mon frère, de ma sœur, des enfants et des partenaires. De mon frère et de la femme de mon frère. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit, donc ils savent qu'est-ce qui est dedans. Donc c'est pour ça que je le dis aussi seulement en français. À ma maman, donc moi je dis à ma maman, mais eux ils disent, tu es le grand amour de mon père. Notre pépé. Pour nous, il y avait parfois des mystères. Peut-être que nous n'avons pas toujours compris, Pépé et toi, à 100%, mais nous sommes sûrs, à plus que 100%, que ton corps était toujours au bon endroit. Pendant votre séjour où vous êtes venus ensemble en Espagne, parce qu'ils ont une maison là-bas, nous avons vraiment appris on a vraiment appris à te connaître d'une manière différente. Et c'était vraiment bien. Ça nous a vraiment fait du bien. Maintenant, tu es revenu après une longue période dans ton pays bien-aimé, le Rwanda, pour être là pour notre père. Et pas seulement pour être là pour lui, mais pour prendre soin de lui. Mais ça ne devait pas être. C'est ce virus stupide qui en a décidé autrement. Tu es parti bien trop tôt et nous devons continuer sans toi.
parce que cette fois-ci, tu ne sais pas réserver un billet de retour. Mais tu seras toujours présent dans nos pensées et dans notre cœur. Beaucoup d'amour de nous tous. Maintenant, je n'ai pas vraiment préparé quelque chose, mais c'est un peu de ma part, et c'est aussi de la part de mon mari. Maman venait toujours où nous, on allait manger chez eux une fois par semaine, où il y avait maman qui venait manger chez nous une fois par semaine. Même si on travaillait tellement, on passait du temps ensemble, on mangeait et on parlait et on rigolait. On avait énormément de plans cette année. Un de ces plans, c'était que cet été, on allait aller au Rwanda. Parce qu'elle nous racontait tellement, comme mon tonton nous, vous a raconté, de toutes les choses qu'elle faisait. Et nous aussi, on voulait vraiment le voir. Elle était quelqu'un, elle est quelqu'un, que si elle fait quelque chose, elle est fière de qu'est-ce qu'elle fait. Et quand tu fais quelque chose, une chose qu'elle m'a appris, c'est que tu le fais à 100% ou tu ne le fais pas du tout. Et c'est comme ça que maman est. Elle était fière de préparer sa sauce spaghetti pour nous. On avait les plans qu'elle allait m'apprendre, toutes ces recettes différentes qu'elle savait que j'aime. Mais une chose, quand je travaillais très fort et je devais travailler des longues heures, la sauce spaghetti, elle a appris à Barthes, elle a appris à mon mari. Et eux, ils étaient en train de cuisiner et à parler. Et moi, j'étais encore en haut, un peu en train de travailler. Elle était tellement fière de ses petits cochons en Afrique. Elle était tellement fière, vraiment, de tout. Elle envoyait des vidéos, elle envoyait des messages vocaux. Elle était toujours là pour tout le monde. Elle est tellement fière de sa petite maison au Rwanda. S'il y a quelque chose, je crois, que pour moi est le plus important, c'est que quand maman était à l'hôpital, on se parlait tous les jours. Et vers la fin, elle ne savait plus beaucoup parler, c'était moi qui parlais. Et même quand je pleurais, elle disait, sois forte, tu es forte. Et tout ira bien. S'il y a une chose que j'ai de ma mère et qui est sûre, c'est sa force. Et je la prendrai partout. Et s'il y a quelque chose qu'elle voudrait dire à tout le monde, c'est que si vous faites quelque chose, faites-le à 150% ou pas du tout. Aimez l'un et l'autre. No matter how the person is, même s'il y a des choses que vous disiez, oh, ça m'énerve, acceptez les gens de la manière qu'ils sont et aimez-les à 100%. Priez pour l'un et l'autre. Si vous aimez quelqu'un, mettez votre fierté sur le côté. Disez-leur que vous les aimez. Si je devais sortir 5 fois de la maison, on se disait 5 fois par jour, « Maman, je t'aime. Vicky, je t'aime. » Jamais une fois, on ne sait pas s'embrasser. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est important pour elle toujours. C'est de se dire qu'on s'aime. C'est de lire la parole. C'est de prier. C'est de louer. Et de faire toutes choses que vous aimez faire. Et aider les autres qu'ils ont moins, aider les autres qu'ils ont besoin d'aide. Des fois, ce n'est qu'une oreille. Des fois, ce n'est qu'une épaule. Des fois, c'est de l'aide en quelque chose de spécifique. Mais demandez, pas seulement comment allez-vous, mais demandez vraiment sincèrement, comment vas-tu? Et ça, je crois que c'est une des parties est le plus important pour maman. Merci. Amen. Ces acclamations, c'est à moi. Est-ce qu'on peut applaudir, on peut acclamer à Dieu? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi inviter notre frère Aimab.
Merci à tous. Et je confirme ce que la parole est que sa mère y parle beaucoup l'amour. Moi aussi je confirme. D'abord, je vais parler ça. Je vais parler de Paskazi, comment je l'ai connu. Paskazi, en fait, n'a invité mon chikiwanje, mais c'est ma maman. J'avais une grande sœur qui était comme ma mère. Ma grande sœur a été là plus que ma mère. Elle s'appelait Christella. Quand je suis arrivée ici en Belgique, c'est elle qui s'est occupée de moi. Je suis arrivée dans beaucoup de problèmes différents. J'ai passé beaucoup de temps sans papier. Elle m'a aidée. Elle avait aussi ses problèmes, elle était infirmière. Pendant cette période, elle est tombée malade. Elle est tombée gravement malade. Quand j'étais en pleurs, j'ai vu maman Paskazi. Et on nous a dit qu'elle était enseignante. Je n'avais pas encore piste. Maman Paskazi est arrivée à l'hôpital auprès de ma sœur. Elle a prié pour elle. Elle a prié pour nous. Elle m'a dit, prends courage. Et elle a dit à toute la famille, prenez courage. Ce qui m'a touché beaucoup, quand je suis arrivée ici à l'église, chez l'apôtre Alexis, je ne savais pas que maman Paskazi est dans l'église. Quand je suis arrivée, mon cœur battait très fort. Quand elle m'a vu, elle a dit, ah, aimable, c'est toi. Elle m'a embrassée. À chaque fois que j'arrivais à l'église, elle m'embrassée. Elle me demandait les nouvelles de la famille. Un jour, on avait la prière. Parce que moi je suis quelqu'un, je prends le temps de prier avant de rentrer dans l'église. C'est comme ça que je suis. Et à chaque fois je m'isolais dans cette pièce avant de rentrer dans l'église et je trouvais maman Paskazi dans la même pièce. Et elle aussi, elle priait aussi dans son coin. Et j'attendais à côté. Quand je voyais que le culte allait bientôt commencer, je rentrais dans l'église et je priais. À chaque fois, je me disais, maman Paskazi s'isole au même endroit où j'ai l'habitude de m'isoler pour prier. Et je me disais en moi-même, c'est vraiment une servante de Dieu. À chaque fois qu'elle quittait cet endroit, elle disait toujours, aimable, comment ça va la famille? Et je me demandais, je voudrais connaître son secret. Et un jour, elle m'a proposé d'aller dans la prière, dans l'intercession. Et je me suis dit, oui, je vais aussi y aller. Et je savais qu'elle dirigeait la prière, l'intercession.
Et ce jour-là, je suis rentrée dans l'intercession. Nous avons prié. Moi, quand je prie, je crie. Je fais beaucoup de bruit. Parce que quand je prie, je n'ai peur de personne, je prie vraiment à mon aise. Et un jour, quelqu'un est venu me dire, mais tu pries beaucoup très fort, tu es en train de déranger. Maman Pascal Zaravoga, Et maman Pascazi, elle a dit non, laissez-le prier comme il l'entend. Uhagaze imbere yacu uvuga ijambo rikomeye gutya agabasha kwihanganisha buri wese. Et je me suis dit cette personne qui sait rassurer les gens. Yarafite ikintu cy'ubwenge no kwihanganisha no uburyo avuga ni umuntu wabanzaga kureba umuntu akabanza akakubwira abikuye ku mutima kandi akakubwira ikintu cy'ukuri. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'intelligence, qui disait des choses qui venaient du cœur et qui disait vrai. Elle n'aimait pas blesser les gens. Nubwo nayo naramukunze kubera ko yaje kutwihanganisha kandi nkabona imirimo yiwe ibyo yarimo gukora yakoze. Même si je l'ai aidé parce qu'elle est venue la famille. Nuko yageze muri cyo gihe aza gutabara mushiki wanje aza kutwihanganisha. Je l'ai connue quand elle était là pour nous quand on traversait les moments difficiles avec ma sœur. Kandi binyereka yuko ko yari umukozi w'Imana kweri ukuri. Et ça montre que c'était vraiment une vraie servante de Dieu. Qu'elle avait la parole. N'abantu bakenya bakora umurimo Il y a peu de gens qui travaillent, qui font l'œuvre de Dieu, qui se déplacent aussi pour Dieu. Si on pouvait travailler pour Dieu, on devrait se lever et nous aimer. Hasigaye tukabasha kuko ni Imana n'ibyo dukorera n'ibyo Imana ikora ntabwo ibikora ku bwayo ibikora ku bwacu parce que ce que Dieu fait ne le fait pas pour lui mais il le fait pour nous kudufasha pour que nous ayons une maman Pascazi ntabwo yatinyaga ibyo bitongo ama demo elle n'avait pas peur de ntabwo yatinyaga yuko abo bantu ari babi elle n'avait pas peur de gens mauvais yaragendaga gusura abantu cyakajya ahantu abantu barembye elle allait voir les gens qui étaient malades Elle se déplaçait pour aller voir les gens. Je l'aimais beaucoup. Et à chaque fois, je me demandais, mais pourquoi est-ce que maman dit n'est pas pasteur? C'était quelqu'un de bien. Il ne faut pas parler du bien des gens qui ont parti. Aimons-nous les uns les autres que nous sommes encore sur la terre. Visitons-nous de temps en temps pour connaître si, pour savoir si les gens ont des problèmes. Je m'arrêtais là parce que c'est tellement beaucoup que je ne peux pas citer toutes choses. Merci beaucoup. Et moi aussi, je voudrais juste donner un petit témoignage pour elle. Maman Pascazi, quelque chose que j'ai vu en elle, en fait, là, quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, il y avait des dames. Il y avait des dames qui étaient là-bas. C'était à l'église vivante de Jabé, ceux qui connaissent le Burundi. Il y avait des femmes. Et quand je suis arrivé aussi, il y avait des femmes. Mais je vais vous dire, et moi je ne mens pas, c'est comme ça que je suis. Je n'ai jamais vu une femme aussi dévouée pour l'œuvre de Dieu comme Pascazi, dans notre église. Quand je suis arrivé à l'église, il y avait un ministère qui était là, que
je me suis proposé de prendre. Et puis, c'est quand je regardais ce qui se passait autour, parce que je venais d'arriver, c'est quand je regardais ce qui se passe, je vois un monsieur, c'était monsieur Étienne. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de mettre, il y avait là où c'était, il y avait un truc, je ne me rappelle pas, c'était un truc qui était cassé, donc il essayait de mettre des planches. Je me suis intéressé, qu'est-ce que ce monsieur est venu faire ici? En fait, je ne le connaissais même pas. J'ai demandé, c'est qui ce monsieur? C'est le mari de Pascasien. Ah, ok. Voilà, je me suis approché de lui. Et, parce qu'il travaillait seul, et j'ai voulu l'aider. Et j'étais en train de faire aussi... on faisait la vaisselle, parce qu'on prenait du café, et on faisait la vaisselle. C'est là où j'ai vu M. Étienne en train de mettre des planches, mais c'était tellement difficile que je voyais quand même qu'il fallait quelqu'un qui l'aide pour l'aider. Et puis, je me suis approché, j'ai dit, voilà, j'approche, je prends la planche, et c'est là où j'ai commencé à connaître M. Étienne. Et en le regardant, en voyant comment il faisait vraiment le travail de Dieu à l'église, j'ai vu cette dame-là qui parvient à inculquer ce qu'elle a en Somalie. En tout cas, c'est une dame vraiment, elle était une vraie servante de Dieu. En fait, Monsieur Étienne, je veux témoigner aussi pour toi. Parce que tu es vraiment un homme de Dieu. La plupart d'entre nous, on pourrait dire, on ne le voit pas, mais lui, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Ce qu'il a fait à l'époque quand on était à la rue Verbiste, alles dat hij heeft gedaan, ons PP zelf, in de vorige kerken. L'apôtre Alexis l'a dit. Tout le monde a vu le truc qui était là où on prêchait. C'était lui qui avait dressé tout ça, gratuitement. Hij heeft alles eigenlijk ook gedaan, zonder er iets of wat voor te vragen of voor te krijgen. Et quand il a fait ça, moi j'étais pas là. En als hij dat gedaan heeft, was hij er ook niet bij. C'est en faisant alors, en l'aidant. En het was wanneer dat hij hem begon quand te helpen. Quand je suis aidé, monsieur Etienne. Wanneer dat hij Pépé aan het helpen was. On s'est parlé, effectivement. Parce qu'ils ont commencé à parler. Il y avait Pascasie parce qu'il parlait néerlandais. En er was ook ons mama. Et moi, je ne comprenais pas. Maar hij begreep er niks van. Pascasie vient interpréter alors. En ons mama kan het dan vertalen. Non, il veut que tu fasses quoi? Que tu l'aides dans ça. Ja, maar eigenlijk wilde hij dat je het eigenlijk een beetje zo met elkaar konden helpen. Depuis lors. En vanaf toen. J'ai compris que j'allais prendre ce ministère compte. Si vous voulez soutenir cette œuvre-là. Als je graag hierbij daarvoor wilt geven. Je donnais mon numéro de compte. Et quand j'arrivais à la maison, je regarde. Et zag hoeveel dat erop zat. Pascasie avait déjà fait le virement. En ons mama had altijd al gestort. Là, c'était les œuvres que j'ai vues. Zij gaf altijd. Et quand je. D'ailleurs, mon enfant qui est ici, zelfs peut témoigner. Dat hier is, zal kunnen zijn. Je m'en souviens. Moi, herinner mij. Là où j'habitais. Waar dat ik woonde. C'était là où il est passé pour rentrer. God zegen. Ja, nous arrivons presque à la fin. We zijn bijna aan het einde. Mais nous devons dire ce qui vont suivre. Maar we gaan wel zeggen wat er dan achteraf volgt. Je sais que c'est un peu difficile. Ik weet dat het een beetje moeilijk is. Peut-être on a même bon. Mais est-ce que on peut faire une petite exceptionnelle? Zouden we een kleine exceptie uitzondering. Est-ce que Étienne peut avoir un mot à dire, même si c'est un mot ou deux mots sur Pascasie, et elle va interpréter. Je veux lui demander de faire l'effort de venir. Je veux lui demander lui-même. Non? C'est dur? Ok, ça va. Étienne, fais l'effort, viens. Nous allons l'encourager.
Bien. Étienne, fais l'effort, fais l'effort. Viens, mon. C'est... Je sais que il est tellement émotionnel que c'est difficile, mais je voudrais lui dire, tu vas dire quelque chose parce que je sais que tu as quelque chose à dire. Fais l'effort, dis quelque chose à Pascasie. Toi-même. Parle un tout petit peu de ta Pascasie. Non, oui, je sais. Mais il peut dire un mot, un seul mot. D'accord? Dis quelque chose. Fais le mot. Dis un mot. De remercier, je vais parler pour lui, mais c'est de vous tous vous remercier pour qu'est-ce que vous L'enterrement sera fait le 5 février. Dat de begrafenis 5 februari is. Ça sera à 10 heures. Dat zal om 10 uur zijn. À Beveren. Je voudrais demander peut-être à Vicky de donner quelques précisions. Donc alors là, je vais parler en français puisque notre famille, évidemment, oui. Ils le savent. Comme vous savez aussi, nous sommes en temps de COVID. Il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles. Mais l'enterrement est à Bèvre à 10 heures du matin. Il y aura un culte différent qui se passera. Mais on va aussi donner un URL, donc par website aussi, pour que les gens peuvent le suivre par l'Internet. Après le culte, On apportera maman à la place où elle va se reposer. Qui sera aussi à Beveren. Izaba ari à Beveren, ni hafi ya Sint-Niklas. En temps normal, mugihe gisanzwe, il y a un mot que j'aime employer, on aurait vraiment aimé faire une agapé où tout le monde sait venir. Mais à cause des règles, comme on dit, je crois en français, sanitaires, oui. C'est d'obliger que c'est dans un groupe très intime. Bizasaba yuko noneho hari inyuma yaho hari abantu ba bon hari ahantu ni hato bisaba yuko hazakirwa abantu ariko nibake par rapport ya yuko twari kuba tubyifuje. Qu'est-ce qui veut dire qu'on a, et ça c'est vraiment, ça fait mal parce que c'est contre comme maman est. Nta byari kuba byiza yuko abantu bose bakirwa inyuma yaho ariko biragoranye kubera ibihe turimo. Que on a dû arrêter juste à la famille directe. Nicyo gituma ari abantu bake gusaba mu muryango ba harahanu bazajya nyine nimo koga bavuga koga ariko ni kubera ibihe turimo. Okay, ça toi c'est l'autre, enfin là je retourne en français. Nous comprenons que ça sera le 5, le samedi prochain. Ceux qui veulent peuvent venir à Beveren, mais ceux qui ne peuvent pas venir, ils pourront suivre ça par internet parce que tout sera on donnera le lien pour qu'ils puissent suivre ça d'une façon en utilisant l'internet seulement. Et nous vous remercions tous parce que nous arrivons à la fin et nous vous remercions pour ce moment parce que je sais que vous avez terminé le culte. Il y en a ceux qui sont venus après leur culte et ça n'a pas été, ce n'était pas évident, mais vraiment nous vous remercions. Nous remercions le bishop, nous remercions aussi
tout le monde, en tout cas au nom de la famille et au nom de l'Église. J'aurais voulu que tout le monde on s'embrasse, mais on ne peut pas. On doit respecter cela. Je vais alors demander cela. Je crois que j'ai été clair. Oui, parce que maintenant nous arrivons à la fin. Nous passons, peut-être nous allons commencer par Angers et directement nous sortons. Parce que si on reste à l'intérieur, vous comprenez que les émotions vont prendre le dessus et il y a des choses que nous allons oublier. Et ça, je pense qu'on ne voudrait pas quitter ici en se créant des problèmes alors que nous sommes venus pour se soutenir. Les problèmes que je vais dire, c'est se contaminer ou quoi que ce soit. Je demanderai alors la famille Rose, la famille Étienne, Vicky, tu peux demander à la famille de venir ici devant. Je demanderai aussi à celle qui est l'aînée de la famille Rose de venir ici devant et les proches de venir ici. Mushobora kuza hano imbere reka mwihangane cyangwa est-ce que tujye hariya à la fin derrière ya reka tuhindure. Nous allons nous mettre là derrière, les gens vont sortir, mais dans l'ordre s'il vous plaît, et